Donc salut à tous les amis, c'est Forwills et on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur farming. Cette fois ce sera une petite astuce, donc pour la suite de cette vidéo ce sera le curage des vaches. Donc là on va s'amuser à couper l'herbe. Donc j'ai pris un beau petit John Deere et en fait quand vous démarrez votre partie il faut juste que vous vendiez tout votre tracteur et que vous achetiez le joli petit champ 16. Donc c'est une prairie. Vous aurez aussi besoin d'une petite auto-chargeuse, donc là je l'ai pris dans le classique pack DLC hein, qui est gratuit sur le site officiel de Farming Bucher. Donc voilà, on est parti avec mon petit John Deere Windrunner, un truc comme ça. Donc il est vachement sympa et je l'ai trouvé sur LS 2013. Hein. Il est chouette. Voilà. En fait, ce que j'aime bien surtout, c'est qu'il regroupe tout au même endroit. Donc voilà, ça facilite la tâche et c'est pour ça que j'aime bien. En plus, il coûte 20 000. Ça va. C'est acceptable encore comme prix. Voilà. Donc, hop, on va reprendre là. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez... Je sais pas si je l'ai déjà dit, mais mon site de mode, donc c'est LS 2013. C'est là où j'ai trouvé tous mes modes. Ma punaise de mission. Là. Donc en fait là je suis en train de tondre l'herbe. Parce que dans le mélange. En fait moi je fais un mélange normal. Je prends du maïs. Je prends de l'herbe, du foin. Et ça fait un mélange pour les vaches qui est juste parfait. Voilà. Vous mettez un peu tout dans la mélangeuse. Et je trouve ça génial. Donc là on va ramasser l'herbe. Donc j'ai pas pris un très très gros truc parce que je voulais pas faire une très longue vidéo. Donc c'est une capacité 10 000. Donc ça va très bien. Parce que la mélangeuse du jeu est limitée à 12 000. Donc ça va très bien. Par contre ça ne prend pas tout. Ah, ça c'est pas grave. On repassera deux fois. C'est pas très important. Voilà, donc sur ma chaîne YouTube, donc j'ai dit que j'allais faire des trucs sur farming aussi. Et en fait, je vais à propos de farming, je vais bientôt commencer mes présentations de mode. Et voilà, donc Mes présentations de mode, je sais pas ce que vous voulez de plus, mais je vais faire quoi? Je vais faire deux sur les tracteurs, deux sur les moissons. Après, je vais faire une présentation de mode d'hiver, des faucheuses, voilà, ce mois. Et pour terminer ces présentations, je vais vous présenter tous les modes de Luke Farm. Donc là, on est déjà sur un mode de Luke Farm. De Luke Farm pardon. Donc on est sur Belgique profonde. En fait c'est pour l'instant des maps que j'ai cherché, j'y a aucune map que j'ai trouvé avec une prairie à part celle des vaches, mais j'ai trouvé aucune map avec une prairie. Donc ça c'est la seule map qui est avec une prairie. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait sur cette map, parce que sinon faut se balader un peu sur la map et trouver. Voilà, c'est moins amusant que de faire sur Belgique profonde. En plus Belgique profonde est vraiment bien réalisée hein, la map franchement bravo aux éditeurs, donc Luke Farm. Voilà, donc là on a terminé de récolter l'herbe, donc très bien, on va aller apporter au silo. Par contre les silos de Luke Farm, je les aime vraiment vraiment bien. En fait, donc aussi des autres maps, c'est la seule que j'ai trouvé avec des silos où on peut remplir avec un chargeur. Donc ça c'est vraiment très pratique. Comme ça, Dans les mélangeuses, je sais pas si vous savez, mais on peut aussi mettre du maïs. Comme ça, moi, je mets aussi du maïs au lieu de mettre de l'ensilage. Le maïs ne fait pas de mal. Manque avec ce chouette petit mode direction les silos.
Donc voilà. On arrive au silo. Voilà, petite poule, petit coq. Voilà. Donc ça, normalement, c'est là où on doit laver les véhicules. Hein, on prend le carouage et voilà. Donc là, on arrive au silo. Voilà. Donc, par contre, je sais pas comment ça décharge. Et j'aimerais bien savoir comment ça décharge. C'est quand même un vieux truc, hein. Ouais, bon, mais ça a l'air d'être un tapis glissant. Hein. Voilà. Donc, voilà. On a terminé avec le joli petit engin bûcher auto-chargeuse. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Et là, je vais vous présenter mon petit mode John Deere. Donc, c'est un John Deere R450, si je me trompe pas. Donc, alors, en fait, donc il est sur LS 2013. Mais je sais pas ce que c'est le cutter. Mais bon, bref, c'est pas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, commenter cette vidéo, la partager.